vous voyez qu'on change de couleur de coursière, on retrouve la couleur de la robe qui est plus proche bien sûr de celle de Cécilia. L'origine de la coursière, vous pouvez le voir, c'est le fer marqué sur la cuisse droite. Patrick Laugier, coursière numéro 603 d'Éric Vignol, Elisa. On dit tout ça pour les amateurs de bétail qui aiment bien connaître l'origine des coursières. Allez, toujours Jérôme Huffler pour débuter toutes les coursières. Le premier écart pour Jérôme. Voilà, c'est un peu son habitude, vous inquiétez pas. C'était un peu ce que nous avait annoncé Éric Vignol, le Canadair. Elle a tendance à donner quelques petits coups de boule, surtout au début. On va bien sûr pouvoir apprécier la modification de comportement au fur et à mesure de la sortie. Alors Jérôme qui est allé remettre en forme son pantalon. Alors soit c'est parce que les écarts sont très serrés, soit c'est que la musculature des cuisses est trop importante. Alors soit un peu de régime, soit il va falloir changer de taille de pantalon. Allez Jérôme, pour le deuxième écart face à Elisa. Elisa qui fait un petit peu des siennes avec David Martinez pour la préparer. C'est parti, la coursière est prête, Jérôme l'attend au centre. Voilà, et le passage pour Jérôme Huffler avec Elisa. C'est Elisa pour un écart maintenant de Thomas Dessis avec un indice pour Sabrina. Sabrina de Radio D'Artagnan. Et je vous rappelle le rendez-vous le mardi à 19h, l'écho des arènes avec Sabrina, Bernard, Marcel et Jessica pour les commentaires des courses de la semaine. Allez Thomas. Voilà, et le passage de nouveau pour Thomas Dessis avec Elisa. Bonjour. Un petit peu coincé, voilà, ça y est, on est sorti tranquillement. Et on la replace. Le manis de Thomas Dessis pour Monsieur Duragne. Alors on replace de nouveau Cécilia. Ah, Cécilia, pardon, excusez-moi. Elisa. Allez, Thomas. Tu vas aller partout pour faire le balade. Allez, c'est parti pour Thomas. Voilà, l'écart pour Thomas des 6 avec Elisa. De nouveau, petit passage derrière les planches pour la coursière. Non, mais tout assis là, c'était pas. Allez, on va replacer la coursière Elisa. Thomas Dessis, préparé et placé par son chef de quadrilla. Thomas qui reçoit une prime de 5 euros de la part de M. Duraigne. Allez, c'est parti pour Elisa avec Thomas Dessis. Allez, l'écart supplémentaire pour Thomas. Et on va replacer la coursière pour vraisemblablement l'un des derniers. Ouais.
remplacer donc Elisa par David. Alors, on aura peut-être une prochaine recrue dans la quadrille qui s'avance. En attendant, c'est Thomas Dessis qui va prendre la première place. Et on retrouvera peut-être après Stéphane. Alors attention Stéphane, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Elisa passe un peu derrière des fois. Donc on va penser à s'échapper après. Voilà, et le passage pour Thomas Dessis. Voilà, et Stéphane, on ne sait jamais, peut-être une prochaine recrue de la quadrilla. En tout cas, il va venir effectuer un écart avec les conseils de Jérôme Huffler. Stéphane, Pierre Alain l'avait dit, il y a de la place un peu pour les amateurs aussi, pour se faire plaisir ici, il y avait tous. Alors on va bien sûr regarder avec beaucoup d'intérêt, peut-être l'explosion d'une grande carrière, sait-on jamais. Allez Stéphane, voilà, et on peut l'applaudir, c'est pas évident de faire les premiers écarts, attention à la coursière, mais c'est pas mal du tout pour le premier. Bien sûr que Elisa soit replacée. Non, c'est pas tombé là. Voilà David Martinez pour replacer la coursière avec l'honneur de toute la quadrilla. Vous voyez, Elisa se balade un peu le long des grilles. Le bar brasserie de commerce à l'honneur 10 de Prime. Et Solange à 1h20. C'est Eric Tapine qui va revenir 30 de Prime. L'établissement de Loga à Logaro 20. L'hôtel restaurant des arènes à Logaro 30. La SARL de Vincent, Jérôme et Sébastien 50. Et surtout à Pierre 20 euros de Prime. Le deuxième écart de Stéphane. Alors on ne sait pas s'il se concentre ou s'il tremble, mais tout va aller bien. Voilà, l'écart, on peut l'applaudir. On a rentré.